Non, le dernier son de Woody Clooney. Voilà, Woody, c'est un homme. Oui, on va s'asseoir. En tout cas, et des fois, on va trop payer maintenant. Il faut laisser l'argent des grands papas pour construire. Il n'y a pas une histoire d'argent entre moi et grand-père. Ouais. C'est le big love. Big love, hein? Je ne considère pas l'argent. Voilà. Moi, dans ma vie, je vais manger aussi. Mais donc, il faut le laisser. C'est nous qui avons pitié de lui. Il peut en train de prendre sa défense. La demain qu'elle va donner Goumen, c'est nous les mêmes là qui allons venir prendre sa défense. Il n'y a pas lui donner Goumen. L'amour que j'ai pour lui est sincère. Voilà. Ah, en tout cas, on espère. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Mais pardon, viens à Abidjan maintenant. Le monsieur là-bas construit. Je vais célébrer son anniversaire. Avant de rentrer à Abidjan. Son anniversaire, son anniversaire, c'est quand? Le 11 octobre, c'est l'anniversaire, l'incroyable anniversaire de mon mari. Ah oui. Mais attends, vous n'invitez pas quelqu'un quoi? J'invite tout le monde. Voilà. Vous êtes invité. Oui, vous tous. Mais invitation, il a fait des billets d'avion. Là, qui va payer? Dans tu vas tomber. Il faut prendre une chaise là, tu vas mettre en bas de deuxième fesse là, comme ça, ça sera équilibré. Maintenant, tu ne sais pas dire merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas les messieurs comme ça là, je veux. Vous m'envoyez billet d'avion, je vais aller faire anniversaire là. Je jure que cette fois-là, je n'ai pas porté culotte. Maman Tina de la ligne. Tu veux quoi, maman? Bonsoir. Je ne suis pas ta camarade, tu dis bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Allô? Ça vous m'insultez, ça m'a appelé quoi? Really, nigga? Il veut casser mon âme. Mais ça, c'est maman, c'est la chérie qui t'a battu là. Regardez-moi les choses comme ça. Beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens attendent que certains artistes vivent des situations dramatiques pour s'accaparer et puis faire du buzz. Une affaire où la justice est impliquée, là, vous voyez ça encore en buzz. Photo là, c'est montage. Photo? Quelle photo? Photo que vous avez vue là. Photo qu'on a vue. Où Mamicita dit que oui, c'est dit qu'il m'a frappé juste quand tout son corps était bleu là. Oh oui, photo de Mamicita là. La justice vient de faire sortir pour dire que ces photos ont été trafiquées. Hey! Bon, trafiquées ou pas trafiquées, le monsieur est encore en détention. Ah, en fait, tu ne connais pas le début, le milieu, la fin, c'est une affaire de justice. Laisse la justice faire le travail avant de venir te prononcer. Sinon, tu vas venir faire comme un poutou, hein, son affaire de grand-père est génie, mais grand-père n'est pas génie par rapport à génie là. Ou bien vous, même la vie, son bouche ne vous fait pas mal, quoi. Foutez-nous la paix, de quoi parlez-nous? Un problème quelque part. De quoi que parler quoi? Foutez-nous la paix, de quoi parlez-nous? De quoi parlez-vous? Tu sais, les femmes pauvres qu'on bat, battez-les jusqu'à leur dernier souffle. En tout cas, après ça, ne pas mettre ma bouche, je que je n'ai pas de preuves. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis contre la violence faite aux femmes. J'ai toutes les preuves. Contactez-moi sur mon inbox. Je suis artiste, je ne mens pas. Si tu as les preuves, mais dis-nous. Sidi Kidjabaté, lui, en personne. Mais Sidi Kidjabaté, hein? Lui a logé. Lui à quoi? Oui. T'as pas fait des vins, faut répondre. Lui à quoi? Quand femme veut ruiner ton carrière là, il va passer par tous les moyens. Merci. L'école, l'université française là, tu n'as qu'à partir. Moi, c'est ce qui est important ici. C'est ce que je dis là, que tu comprennes. Justement, on ne comprend pas ce que tu veux dire là. Sidiki Diabaté avec sa copine, c'est il y a un an en arrière. Et toi-même, là, c'est quoi? Tu as fait une réunion avec mes Shadow Christ là-bas. Tu es permis d'affaire de Sidiki Diabaté comme ça. Il y a quoi? Je dis toujours que je n'aime pas les hypocrites. Ah, donc, tu veux dire que Shadow Christ est hypocrite? Je ne suis pas dire que Shadow Christ a été hypocrite. Hypocrite. Ah non, 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 non. Hypocrite quoi? Hypocrite. 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 Le grand frère. Pierre Mal t'est frappé. Continue. Par contre, c'est quelqu'un qui a goûté le succès et puis la chute. La chute. La chute, c'est où on dit il ne mousse plus là. C'est-à-dire que où tu passais en tassant la télévision, ou puis quand tu vois tes grands frères, même tu fais comme si tu es plus star qu'eux là. Hey, c'est le moment là qui est arrivé là. C'est ça qu'on appelle la chute. J'ai jamais pensé que lui là, il allait dire ça un jour. Ah, c'est ça, il a dit qu'il dit ça maintenant. Il s'est déjà déçu de son comportement donc. Je le laisse dans sa gamme. C'est à cause de ça que tu ne rentres jamais dans mes vidéos. C'est la question. Il faut répondre un peu, c'est quoi? Une question de temps seulement. Je vais vous donner les arguments pour pouvoir fermer leur bouche.
Ah voilà, dépêche-toi de répondre. Moi, je vais monter en prison, quoi. Hein? Est-ce qu'il y a quoi? Je vais aller en prison, quoi. Il faut te calmer, tu vas bien parler, il y a quoi? Faut pas avoir venir m'insulter chez moi. Ils t'ont insulté, ils ont dit quoi? Que moi, est-ce qu'il y a? Je suis un enfant de Kunangangro. Ah, ils sont allés dire que tu as parti au parti politique de grand-père Bété, quoi. Mais il faut dire que tu n'appartiens pas au parti, puis c'est fini. Je ne suis pas un enfant de Kunangangro. Est-ce que ça, il y a un peu de paroles dedans encore? C'est des menteurs. Idée. Ça coupe pour rentrer dans le stade. Quand il y a parlé mal, vous allez me mettre encore en prison. Oh, c'est vrai, le terrain là, c'est vrai, je me revois là-bas. Jésus-même est mort. Maman est mort. Ok. Merci. Portez-vous bien. Croyez en ce que vous faites. Bye bye.